Les Enquêtes d'Enola Holmes, un roman de Nancy Springer, tome 1 La double disparition chez Nathan. Londres, les bas-quartiers, août 1888. Soir tombant. Dans la rue pavée, les rares becs de gaz en état de fonctionner luttent vaillamment contre la nuit qui gagne relayée de loin en loin par la pauvre lampe à huile d'un vendeur de bigorneaux, plantée devant l'entrée d'un pub avec sa charrette à bras. L'inconnue tout de noir vêtue, de ses bottines à son chapeau, se coule en silence d'ombre en ombre comme si elle-même n'était qu'une ombre. En cette heure entre chien et loup, dans le milieu d'où elle vient, sortir serait pour elle impensable sans l'escorte d'un père, d'un frère, d'un mari. Mais la voilà bien loin de chez elle. Seule et prête à tout, elle n'a pas le choix, car elle cherche quelqu'un. Tout en allant, les yeux immenses sous sa boilette noire, elle scrute, inspecte, explore du regard. Elle voit des rats circuler sans crainte, traînant derrière eux leur hideuse queue pelée. Elle voit des gamins nu-pieds trottiner entre les tessons de verre. Elle voit des couples déambuler, bras dessus, bras dessous. Les messieurs en veste de flanelle, les dames coiffées de caplines de paille bon marché. Elle devine une forme humaine affalée contre un mur, ivre ou endormie au milieu des rats, morte peut-être. Elle ouvre grand les yeux, mettant l'oreille aussi. Au loin, un orgue de barbarie dévie d'un air traînant dans la brumaille du soir. À la porte d'un pub, une petite fille appelle :« Dali. » Da! Partout, proche ou lointain, les sons s'entremêlent. Rires, éclats de voix, beuglements d'ivrognes, cris de vendeurs des rues. Et sont belles mes huîtres, et sont belles. Une goutte de vinaigre et on les gobe. Quatre points pénis. Le vinaigre, elle en respire l'odeur. Et l'odeur du gin, et celle du chou bouilli, de la saucisse chaude, et la laine salée du porc tout proche les relents vaseux de la tamise et des effluves de poissons douteux et un remugle d'égout à l'air libre. Elle accélère le pas, surtout ne pas traîner, car non seulement elle cherche, mais elle est recherchée. La chasseresse à voilette est chassée. Il lui faut circuler, se déplacer, sans trêve, de crainte de se faire repérer. Au bec de gaz suivant, dans l'embrasure d'une porte, une femme paraît attendre, Bouche peinte, œil charbonneux. Passe un fiacre élégant qui fait halte devant cette porte. Un monsieur bien mis en descend, queue de pie et haute forme à reflet de soie. La dame à la porte a beau arborer une robe de soirée, sans doute portée naguère par la digne épouse de quelque autre gentleman à queue de pie, l'observatrice à voilette soupçonne que le visiteur n'est pas là pour l'emmener danser. Et la bouche barbouillée de rouge à beau sourire de son mieux, le regard est celui du chien battu. Le mois dernier, à trois rues d'ici, une femme semblable à celle-ci a été retrouvée égorgée. La dame, au fier décolleté, le sait. L'inconnue à voilette aussi. Elle détourne les yeux et poursuit son chemin. Un peu plus loin, une silhouette mollement adossée contre un mur la haile d'une voix traînante. Toute seule, mame! Vous voulez de la compagnie de la compagnie merci bien jamais un vrai gentleman ne s'adresse à une dame sans lui avoir été présenté l'inconnu accélère le pas ne pas ouvrir la bouche ne parler à personne elle n'est pas chez elle ici non que cette idée la perturbe à dire vrai où est-elle chez elle nulle part elle ne l'a jamais été jamais vraiment de même d'une certaine façon, elle a toujours été seule. Solitaire en tout cas. Pourtant, c'est le cœur lourd qu'elle erre dans la nuit. Elle n'a plus de logis, plus de toit, elle est étrangère en cette ville, la plus grande du monde à ce qu'on dit, et elle ne sait même pas où elle pourra poser sa tête pour la nuit. En attendant, elle marche. Si elle survit jusqu'au matin, si le ciel le veut, son grand espoir est de retrouver l'être aimé. De rue en rue, d'ombre en ombre, l'inconnu s'enfonce au cœur de l'Est londonien. Seul.